Bonjour tout le monde, c'est Ti. On se retrouve pour un nouvel épisode de Park Beyond. Et comme vous voyez, j'attaque direct avec le chemin. Je suis hyper motivé au point où je vais vraiment faire ma première construction de A à Z avec un décor et tout. Je me suis donné à fond, malgré, comme vous voyez, des difficultés à faire tourner les pièces. C'était vraiment horrible. Mais j'ai fait des toilettes vraiment, je trouve vraiment trop classe, vous verrez à la fin. Bien dans le thème, à étage, et plutôt stylé. J'ai aussi fait tout le décor qu'il y a à côté. Vous verrez par la suite. J'ai juste rajouté un petit, comment ça s'appelle, un petit restaurant, distributeur de, enfin ouais... une petite boutique de nourriture juste à côté, mais avec une scène déjà faite. Mais parce que là, rien que les toilettes m'avaient pris une heure et des poussières. Parce que c'est pas évident, franchement, mais bon, j'y suis quand même arrivé. J'ai pu aussi remarquer une chose, c'est que les gens peuvent passer à travers les objets. Puisque là, j'ai mis une porte, que vous verrez peut-être tout à l'heure, je sais pas. Et j'ai cherché... à faire un étage aussi, mais ça a été compliqué, mais vous verrez le résultat à la fin. Je le trouve vraiment sublime. Et donc j'ai aussi fait tout le déco qui est à côté, tout le décor qui est à côté en mode western et tout. Je trouve le rendu plutôt cool. Le truc c'est qu'en mode western il n'y a que deux, pour moi il n'y a que deux manèges, le lance-pierre et puis les chapeaux là. Du coup, je pense que la prochaine fois, on va faire une montagne russe. Et comme ça, on va pouvoir clôturer le monde western. Et ainsi, passer à un autre monde, je sais pas lequel. Mais en tout cas, ça m'amuse pour l'instant. Donc, on va en profiter. Bref, sur ce, moi, je vais vous laisser avec l'accéléré. Et puis, je vous reprends après.
Nous voici à la fin. Je suis assez fier de moi et assez fier de mes toilettes, hein, avec la petite banque au-dessus. Pour le coup, le décor est vraiment très joli. J'adore, en fait, il y a plein de petits détails que j'ai mis. Je trouve ça vraiment sublime. Franchement, c'est assez cool. La végétation, il en manque. J'aimerais bien qu'il en ait un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi utilisé, je pense que vous l'avez vu, des objets qui n'appartiennent pas au thème western, mais que je trouvais ça évident de les mettre dedans, comme je crois qu'il y avait les cartes, il y avait aussi un petit panier qui était tout mignon de pack, etc. Mais je l'ai mis pour faire style un petit panier, je sais pas, qu'il y a dans le western, enfin je sais pas. Les cartes, pour moi c'est du western, etc. J'en ai mis aussi. Je trouvais ça assez joli, je vois pas pourquoi on n'en avait pas, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Du coup, je trouve ça assez sympa, le résultat final. La prochaine fois, on va faire donc la fameuse montagne russe, plus le décor de tout le western, pour finir. Et on va passer à un autre thème sur le côté. Je ne sais pas lequel, mais j'ai très hâte. J'aime beaucoup le jeu, en fait. J'aime beaucoup construire, même si c'est assez dur. Et le résultat, il donne bien. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Je suis pas aussi doué que sur Planezo, donc vous pouvez essayer de me donner quelques petites idées ou quelques petites envies de votre part. Ça peut être sympa. Et à la fin, donc, j'ai impossifié le lance-pierre, parce que je savais pas ce que ça donnait. Et voilà, je crois que j'ai fait un petit tour de manège que j'ai filmé. Et comme ça, vous allez pouvoir en profiter. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt.